Le terrier sous embargo, une carte sur le drapeau, dans la rue avec un micro, c'est la yate du ghetto. Ça fait kiffer les gars légaux, ça tourne en boucle dans les magots, un concert fou des pogos. Dans ma zone y'a pas d'harmonie, ou traître viens voir mon ami, ça se prend pour Montana Tony, rêve de vivre à Miami, 84 sur la plaque. Dans ma zone fais pas le mal, on a le budget qui te marre, le képier à Arafat. Dans ta zone c'est la même, devant moi fais pas ta crème, on a tous le même barème, on défend le même emblème, un tito est criminel, la rime coule dans mes veines, chez moi on nique le système, les deux le disent sans gêne. On n'est pas bon qu'à danser sur le pont d'Avignon, dans mon département c'est un mélange des traditions, tu fais le fou, comment encore sont fait péter ta maison, on kidnappe ta femme et demande une putain de rançon. Ne te fie pas au décor, encore moins au paysage. L'atmosphère est lugubre et les jeunes ont la rage. C'est soit la scolarité ou le charbonnage, un mélange des deux ne peuvent faire que bon ménage. Le terrier est sous embargo, une carte sur le drapeau, dans la rue avec un micro, c'est la yate du ghetto. Ça fait kiffer les gars légaux, ça tourne en boucle dans les magots, un concert fou des pogos. Acceptons le projet de la mairie. Bonsoir. Salarabe, ils disent. La tête de ma mère, ils disent salarabe. Moi, je suis un truc, moi, je suis jamais emmerdé personne ici. Des fois, je viens de cette tour, et jour, vous savez ce qu'elle a fait, une femme? Elle est descendue de chez elle, elle a pris de la javel, elle a jeté dans l'entrée. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une vieille, je vais la frapper. Elle a l'âge de ma grand-mère, je vais la frapper. Quand si je vais la frapper, je la tue. Vous... on n'est pas des cafards. Les Français, ils ont le boulot, les Arabes, ils ont le boulot. Comment on fait? Là, ils ont fait un mur pour essayer de bloquer. Ils auraient pu faire un loco pour les jeunes. C'est la mairie, ça. La mairie, elle va brûler, la mairie. Et vous vous croyez les seules victimes, mais nous aussi... On est les seules victimes. Non. Les Maghrébins, c'est les seules victimes. Non, mais nous aussi... Tout ce qu'il y a quelque chose, une casserole, c'est les Maghrébins. Vous êtes sûr que nous en sommes, nous aussi, victimes de ces gens? Voilà, les gens n'est pas d'accord, puis c'est tout. On sait, on le voit, on a des exemples, ils cassent les vitres, ils cassent tout. Mais c'est pas croyable tout ce qu'on parle, les voitures volées, les garages brûlés. On s'en fout de ça, on vous avez fait un mur. Vous voyez les lignes? Dans les maladies, il nous l'a dit ce soir. Moi, pour moi, vous êtes des racistes. Il a carrément dit, hein, c'est pas caché. Il vaut mieux que nous partions, on va se mettre en guerre encore. Putain, je viens de là-bas, je me suis bagarré, j'ai encore... Non, c'est pas la peine. La France, elle les accepte. Elle les accepte. Qu'elle les prend, qu'elle les garde, c'est tout. Allez, toute autre chose maintenant, Ronald, vous allez nous raconter l'histoire d'une octogénaire d'Avignon. Alors, cette femme, on avait marre d'être
Importunée quotidiennement par les collégiens de son quartier, elle a donc décidé d'employer les grands moyens. Sa fille a engagé pour elle un vigile personnel qui surveille sa maison à l'heure de la sortie des classes. Vous voyez, ça ne marche pas très bien. Tiffany Oswald. Damien est un agent de sécurité privé. Depuis quelque temps, il ne surveille plus une entreprise, mais une maison. Malika l'a recruté pour protéger sa mère, âgée de 86 ans. Elle se trouvait dans le jardin, des boules de pétanque ont été lancées. Le mur a été abîmé, la clôture a explosé. Les responsables de ces incivilités seraient des collégiens. Chaque jour à la sortie des cours, ils sont des dizaines à perturber la tranquillité de ce quartier pavillonnaire. Et pour ceux qui volent, ils vous insultent, on ne doit rien dire. Mais les adolescents acceptent mal la présence du nouveau vigile. Ah, c'est pas normal, on dirait qu'on est des bandits. C'est pas bien de se battre, d'accord. Mais voilà, il y a pris comme on paie, des fois on se règle, c'est tout. Si elle aime pas, on déménage pas. Les nombreuses plaintes des riverains sont toujours restées sans réponse. À l'info d'action de la police, Malika a demandé aux vigiles de venir tous les jours de la semaine de 16h à 17h. C'est la première fois en France qu'un particulier fait appel à un agent du privé pour surveiller son domicile. Mais à 10 euros de l'heure, Malika ne sait pas combien de temps elle pourra offrir ses services à sa mère. Immersion au cœur de la gendarmerie du Vaucluse. Des caméras reliées à la gendarmerie filment en permanence petits et grands délits. Des méthodes qui permettent aux gendarmes de mener des enquêtes d'un nouveau genre. Il reste à identifier ces deux individus. Nos équipes ont assisté à la traque des malfaiteurs jusqu'au coup de filet des gendarmes. La gendarmerie est sur tous les fronts pour mettre un terme à l'insécurité dans les campagnes. Venez récupérer des colis, leur notifier les droits de garde à vue. Voici Avignon, gendarme de choc contre délinquants. 90 minutes enquête, présentée par Carole Rousseau, mardi à 20h45 sur TMC.